Interviewé, moi je suis interviewé, mais on se trouve dans la même émission, mais on ne s'est pas encore croisé. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes croisé finalement? Vous avez fini par vous croiser un jour? Non, non, Non? je sais qu'il n'habite pas à Paris, et moi aussi je voyage énormément, mais j'espère un jour de le voir, de le rencontrer. Alors c'est la surprise de l'émission. J'ai un petit message de Roméo, un petit message très touchant Oh, qu'on va c'est cool. regarder, parce qu'il s'appelle justement pas Roméo, c'est pas son vrai nom, il s'appelle Georges Bise, qui Oui. chante aussi Il toujours. chante Il toujours. chante toujours, il a sorti une Il chanson chante. qui est sur internet que vous pouvez regarder, qui s'appelle Quand je n'étais qu'un enfant, qui est Bien. aussi très mignonne. Voici Roméo qui fait un petit message à Noam. Bonjour Noam. Il aura Bonjour. fallu un demi-siècle pour que nous puissions enfin nous parler. Et même si ce n'est que par l'entremise d'une caméra, j'en suis très heureux. Tu te souviens sans doute que dans une émission à laquelle nous étions invités tous les deux séparément, nous avions déjà évoqué le sujet de notre rivalité. Le mot est certes un peu fort pour les enfants que nous étions alors, et je sais qu'en ce qui te concerne, il n'en a jamais été question. Pour ma part, j'ai néanmoins le souvenir d'avoir été maintenu à l'écart du concurrent, car c'est ainsi que ma production te désignait. J'en veux pour preuve que bien que nous ayons arpenté les mêmes plateaux télé à plusieurs reprises, jamais nous ne sommes allés l'un vers l'autre. C'est vrai? Je ne sais pas ce qu'il en était pour toi, mais moi je sais que j'en mourais pourtant d'envie. Dans ce monde d'adultes où tout allait si vite et où je ne gérais rien, un moment d'évasion avec un enfant de mon âge aurait été le bienvenu. Alors, pour répondre à la question posée, non, nous n'avons jamais été rivaux, enfin, pas de notre volonté. Nous étions juste un peu trop jeunes pour nous opposer à nos équipes. Alors peut-être est-ce le regret de n'avoir jamais créé ce contact qui a fait que j'ai continué de suivre ton parcours de chanteur, de compositeur et d'ingénieur du son bien après que ma petite carrière se soit arrêtée. J'ai même eu envie, il y a une quinzaine d'années de cela, de te proposer de reprendre en duo les chansons consacrées aux mamans, nos chansons consacrées aux mamans, à l'occasion de la fête des mères. Mais je n'ai jamais osé te déranger alors même que j'avais ton numéro de téléphone personnel. Comme Mais quoi. dérange jamais. J'ai renoncé à la chanson durant de longues années pour me consacrer à d'autres activités comme le journalisme. Mais j'y suis revenu il y a 20 ans, la crise de la quarantaine sans doute, et je dois dire que je prends désormais un plaisir sans cesse renouvelé à faire de la scène, un plaisir dont j'avais été privé dans les années 70 chez Carrère. À l'exception d'une fois où j'ai eu le privilège d'être invité à partager ce lieu magique, le temps d'une chanson, par une personne que je sais aussi chère à ton cœur qu'elle l'était au mien, à savoir Mike Brandt. Voilà Noam, je te souhaite le meilleur et j'espère sincèrement que nos chemins finiront un jour ou l'autre par se croiser réellement et en toute amitié. Au revoir. Voilà. Super, C'est il est touchant, hein? adorable, il est touchant, il est adorable, il est comme il était toujours. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne le temps de se rencontrer autour.